Bon, bon, mais j'ai envie de vous écouter. Laisse de Pâques pour a frapper fort jusqu'à ce que la grossesse entre. En tout cas, venez vous écouter. Aïcha Kamoise nous dit tout et cite les noms des comédiennes voleuses, racheuses des magiens ici. En tout cas, maman, quand vous dites toujours que le cinéma, non, j'ai toujours dit que, mais comment c'est toujours les filles du cinéma là qui bossent, mais les hommes sont là comme ça, ils n'ont rien. En tout cas, venez vous écouter. Vos actrices, comédiennes, vendeuses de rêves, menteuses, voleuses de mari disent que Aïcha Kamoise détruit la vie des gens. La vie des gens qu'elles sont en train de parler là. Ce sont leurs vies qu'elles passent le temps à exposer. Quand je commente, c'est que Aïcha détruit la vie des gens. Voilà une actrice qui a pris, confisqué le mari de quelqu'un. Millions et millions. Voilà un monsieur qui sort de chez lui à 6h du matin. Il dit qu'il part faire le footing. Il charge un régime de plantain derrière la pick-up. Sa femme le soupçonnait déjà. Elle le suit. En le suivant, elle tombe, elle, donc, à le suivant, donc, il gare. Parce que quand le monsieur prend la route, qu'il part au faire le footing, sa femme prend la moto, que je vais aller voir où le monsieur a fait le footing. C'est quoi que tous les jours, se lève à 6h qu'il part faire le footing. C'est comme ça qu'elle le suit. Quand elle le suit maintenant, elle tombe devant la maison de maman à 770 plaintes. Quand elle arrive là-bas, la dame est choquée, elle crie, tout le quartier sort. Quand tout le quartier sort, maman à 770 plaintes, elle dit que tu le suis pourquoi? Tu le suis pourquoi? Bientôt, tu ne vas même plus le voir. Bientôt, tu ne vas même plus le voir. Tu ne peux pas l'attendre chez toi. Tu ne peux pas l'attendre chez toi, maman. Au lieu de se faire tout petite, c'est encore elle qui crie sur la femme d'autrui. Donc, tu voles mon mari. Et tu me cries dessus. Tu voles mon mari, tu me parles fort. Et vous allez venir me parler de karma. Vous allez venir me parler de karma. Millions et millions. Maman a 770 plaintes que vous voyez là. A passé tout son temps à voler les maris. Moi-même, je suis sortie avec un homme marié. Je vous dis que si vous voulez connaître ma vie, venez me demander. Je vous dis, j'assume. Je suis sortie avec un homme marié, comme vous me voyez ici. Mais dès que le gars a voulu trop s'impliquer, il dit que, pardon, je ne veux pas être l'auteur de la rupture de ta femme. Oui, oui, oui. Je vous dis la vérité. Parce que contrairement à vous, moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas moi dans l'hypocrisie. Donc, millions et millions, c'est comme ça qu'elle parle fort. Madame, 770 plaintes que vous voyez ici comme cela. Elle passe son temps à sortir avec le mari des gens. Elle fait des poèmes sur Facebook. Sur Facebook, elle nous donne les leçons. Sur Facebook, ce sont les femmes exemplaires. Mais alors, elles vont venir sur Facebook se faire passer pour les femmes exemplaires et dire que c'est les Aïcha Kamoise comme cela qui sont les mauvaises femmes. Et pourtant, Aïcha Kamoise assume sa vie. Hein. Je n'ai pas honte. Hein. Si on vient inventer quelque chose sur moi, je vous dis que ce n'est pas ça. Mais si c'est la vérité, comme je suis encore, c'est moi qui viens vous dire non. Quelqu'un est venu à me dire que je suis sorti avec un homme marié. C'est moi qui viens vous dire que je suis sorti avec un homme marié. Et vous allez me faire quoi? C'est ma vie, j'assume, non? Mais je ne fais pas semblant. Meilleurs et meilleurs, Noël était sorti avec papa Natrololo. Elle est partie sortir. Maman a 770 plaintes, elle est partie sortir avec papa Natrololo. Hein? Noël était sorti avec un gars là à Dubaï. Vous le connaissez, ça a fait le buzz. Elle encore est partie sortir avec le gars. J'avais vu les photos. Bon. Si elle ne sortait pas avec le gars, elle faisait quoi dans la chambre d'hôtel avec le gars? En tout cas, Noël avait dit qu'elle aussi est sortie avec celui de Dubaï. Noël avait dit qu'elle aussi est sortie avec celui de Dubaï. Voilà. Aujourd'hui, que les circonstances de la vie font en sorte que Noël se retrouve maintenant avec son ex à elle. L'ex à maman 770 pleine. Maman 770 pleine, elle était venue afficher Noël ici là. Elle avait affiché Noël ici. Parce qu'elles sont championnes pour se plaindre. Mais elle-même ne voyait pas ce qu'elles font. Elle est en sous-marin. Hein. Elle avait affiché son statut, affiché sur Facebook. Elle avait affiché. Voilà. Je suis en train de dire que de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Tu as pris Papa Natrololo. C'était aussi le gars de quelqu'un. Papa Natrololo est marié. Hein. Ah oui, oui, il a sa femme. Hein. Il a sa femme. Tu as pris. C'est parti où? Nulle part. Tu as pris celui de Dubaï. Il était marié. Il est marié. Et il était aussi. Il sortait avec ta collègue. Tu as pris, c'est parti où? Pâques et Pomme était marié. Tu as pris Pâques et Pomme. Tu es venu ici là nous crier, cela que oh, c'est monté, c'est descendu, ça fait que. Nous étions toujours ici là. Te voilà maintenant. La femme là est en train de pleurer son mari. Tu as pris. Jusqu'à ce qu'il paraîtrait. Il s'avérait que tu as même apporté la grossesse. Après, vous allez vous lever. Venez dire qu'Aïcha Kamoise. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tu as entendu qu'une femme est venue dire ça, que Aïcha Kamoise a confisqué son mari. Tu as entendu. Tu as mieux entendu mon nom même quelque part. Parce que moi, ce que je fais, j'assume. Hein? J'assume.
Et même le mari, celui que je suis en train de vous dire qu'on marie, là, si vous raconte dans quelles circonstances. Quand ça a voulu, j'ai déposé. Et c'est moi qui est venu vous dire non. Parce que ma vie, j'assume. Mais vous venez sur les réseaux, vous faites les saintes et ni touches. Et pourtant, vous êtes les plus dangereuses. Comment une femme t'attrape avec son mari? Au lieu de te faire tout petite, de dire, maman, pardon, excuse-moi. Parce que en fait, tu es sur son territoire. C'est comme si c'est mon beignet. Je t'attrape en train de manger mon beignet. Tu m'insultes encore, tu m'insultes ça. C'est pas normal. Normalement, tu dois te faire tout petite, demander les excuses. Et maman, meuf, vous voyez les femmes là comme ça là, non? Elles vont chez Alangembo. Alangembo donne le médicament. Elle se met devant ton mari. Quand elle parle, il écoute seulement ce qu'elle dit. Quand elle parle, il écoute seulement ce qu'elle dit. Moi, je vous parle seulement de la vie. Vous prenez, vous faites ce que vous voulez. Il y a une autre aussi qui a encore confisqué un autre mari. Et le gars là lui manque le voiratre. Moi, il vient tout vous signaler cela que même si tu veux prendre la chose de quelqu'un, même si tu veux confisquer la chose de quelqu'un, confisquer avec ta... Parce que je vois les filles commenter que on arrache, arraché. Demain, quand vous aussi t'arrachez, ne pleure pas. Demain, quand une autre personne va venir aussi t'arracher, ne pleure pas. Vous savez pourquoi je ne peux pas fonder mon foyer sur le malheur d'une personne? Je ne serai pas tranquille. L'homme marié était venu me dire, même si d'autres vont dire que oui, l'homme marié manque machin et tout, je n'ai même pas voulu comprendre. J'ai dit que papa, non, je ne peux pas, moi, je ne peux pas être l'auteur de ta séparation avec ta femme. Si tu veux, tu pars. Quand vous allez vous séparer, que ce n'est pas moi la faute, hein. Si je suis encore célibataire, on arrange. Mais la qualité que c'est moi qui vais être l'auteur de ta séparation. Non. Si tu te sépares de ta femme pour moi, demain tu vas te séparer de moi pour une autre. C'est comme ça. Mais vous ne pensez qu'à vos intérêts. Bon, les gens, vous avez écouté comme moi, chaque mois. Hein? Ce que je ne comprends pas, c'est que les filles, là, les comédiennes, là, se mélangent les gars dans le cinéma. Oui. Pourquoi? Parce que chaque mois, il dit que Noël que moi sorti avec Acharel, Flavien Tchata pas récupéré. Noël que moi sorti avec Papa Trololo, encore appelé Fingontra là. Flavien a récupéré. Tchata sorti avec tel père. Voilà que Noël que moi aussi aujourd'hui a récupéré. Et c'est le père là qui a ouvert la nouvelle boutique à Noël que moi. C'est le père, là, père là qui a fait en sorte que Noël que moi se retrouve en Chine. Donc, si elle veut bien comprendre, les comédiens là se mélangent. Quand ils veulent encore bien regarder, ils forment la concurrence. Voilà que Muriel Blanchet a accouché. Elle sortait avec qui? Avec Mitumba. Noël que moi aussi enceinte. Elle sortait avec qui? Papa Oho. Alors que la fille aussi a goûté le plantain de Papa Oho. Elle aussi a pas maintenant porté aussi la grossesse pour dire que quoi? Qu'elle ne veut pas caler seule dans ça. Que ses copines du cinéma ou époux du cinéma ont au moins accouché. Quand vous voulez toujours regarder cette histoire, ces filles-là tombent toujours enceintes ou alors ils font toujours les bébés avec les hommes mariés, avec les hommes en fait qui sont un peu situés de la grande classe en fait. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, que, mais pourquoi ces filles-là ne peuvent pas faire peut-être comme Amy? Pourquoi? Parce qu'on m'a beau dire, on a tout parlé pour Amy, mais on ne connaît pas si c'est que le gars d'Amy vivait avec telle femme. Tu vas entendre Muriel Ben, son gars était marié. Voilà, Noël Kemoué, actuellement, qui avait M. Tenis, c'est un père. C'est que si tu entends son histoire, lui-même l'était marié. Voilà maintenant Flavien Tchata, pour elle, alors se verser là maintenant au marché jusqu'à elle est partie porter la grossesse toujours de qui? D'un homme marié. Mais concernant les hommes du cinéma, vous n'allez jamais toujours entendre des scandales. Toujours le scandale se passe toujours les femmes. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi et chacun moi. Nous, on est sauf que là, c'est pas